Le tournage du film de Frankie Beaumont reprend. Les producteurs m'ont dit qu'ils avaient presque terminé d'ajouter les scènes de cascade. Maintenant que tu es là, je leur ai dit qu'ils pouvaient en avoir autant qu'ils voulaient. La route passe juste au sud du Lake District. J'ai l'impression qu'on part à la campagne ce coup-ci. L'équipe chargée des cascades et le véhicule sont sur place. On se voit là-bas. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Calcul de l'itinéraire. À 100 mètres, tournez à droite. À 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Je comprends pourquoi ils ont choisi ce lieu pour le tournage. J'ai pensé que les réalisateurs voulaient tourner une scène chargée d'émotions. Tu sais, paysages somptueux, musique qui s'intensifie, et cette route qui longe le Derwentwater est magnifique. Alors, tu vas piloter ça. Et moi, c'est cette puissance et cette suspension qui me donnent de l'émotion. Pas toi? C'est parti! Scène 48A, pointe de vitesse! Action! On arrive sur un terrain accidenté. Quitte la route s'il le faut. C'est bien, mais tu te lâches pas complètement. Tu peux faire mieux que ça. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Pour le saut, fais décoller ces quatre roues du sol.
des sensations. Fais des embardés pour les caméras. Mais attention à ces arbres. À 400 mètres, tournez à droite. Encore un peu de terrain accidenté et c'est fini. C'est peut-être une métaphore à propos des personnages du film, je ne sais pas. Oui, voilà ce que je veux voir. Génial. Remarquable. J'aimerais bien voir le vrai Francky Beaumont piloter comme ça. C'est sur toi qu'il devrait faire le film, gamin. Apparemment, ce trésor de grange était une TVR Speed 12. Passe au garage, il faut que tu vois ça.